Mon grand frère est parti soldat. Moi, je ne sais pas quand il reviendra. Maman court toujours quand arrive le facteur. Puis elle hésite et retient bien souvent ses pleurs. Moi, je fais des dessins pour aider mon grand frère. Car je suis un méchant, je suis un militaire. Je dessine des canons et puis des explosions. Et encore des avions pour le ramener de la guerre. La Société d'histoire d'archéologie et le vieux Montmartre a été créée en 1886 à l'initiative de collectionneurs passionnés de Montmartre qui ont voulu retenir toute cette mémoire du vieux village de Montmartre qui s'échappait. Dans les années 14-18, à l'initiative de la Société d'histoire d'archéologie, nous avons sollicité les professeurs, les instituteurs, pour que les enfants de l'arrondissement puissent exprimer leurs émotions face à ce problème de la guerre. Les dessins des enfants des écoles du 18e proviennent de deux fonds principaux. Le premier et le plus important provient de l'école élémentaire de la rue Saint-Isidore qui s'occupait d'enfants déjà assez avancés dans leur parcours scolaire, qui préparaient le certificat d'études, donc il y avait entre 9 et 13 ans. Et puis le fonds le plus minoritaire dans cet ensemble provient de la rue Lepic, qui est une école qui s'occupait d'enfants plus jeunes. Les dessins de l'école de la rue Lepic sont beaucoup plus enfantins que les dessins de l'école de la rue Saint-Isidore. La Belgique et la France viennent d'être envahies par l'Allemagne. La mobilisation générale est proclamée. Françaises, Français, unissons nos efforts pour vaincre l'ennemi. Défendons les droits de l'homme et n'oublions pas la maxime qui est gravée sur tous nos édifices. Liberté, égalité, fraternité.